Des barrières de sécurité, des marquages au sol pour le respect des distances, la prise de température, le lavage des mains, un sens de circulation unique et la présence de la police municipale, des mesures sanitaires draconiennes mises en place sur les trois marchés alimentaires cannois. Oui, l'entrée du marché Fortville est très bien sécurisée. Et les distances de sécurité sont bien respectées à l'entrée, on est contrôlé, on a du gel pour se laver les mains, il n'y a aucun souci. Les distances de sécurité sont respectées par les clients. Je pense que les commerçants essaient de faire attention et surtout la mairie avec les placiers et la police municipale qui nous demandent de nous tenir correctement, d'avoir des gels hydroalcooliques comme on a là, de nous laver les mains régulièrement, de l'obligation de porter les masques. Oui, non, ça c'est bien. Je pense que les règles sanitaires sont vraiment respectées. Il n'y a pas une aussi bonne mesure de sécurité dans les supermarchés, ça c'est sûr. Ben, c'est un petit peu contraignant pour certains, mais c'est une question de discipline. Et la majorité, ils y arrivent à le faire quand même avec un petit peu de civisme, on y arrive. Une distribution de masques, gants et gel hydroalcoolique ont été distribués à tous les commerçants. Un dispositif sanitaire nécessaire et adapté aux enjeux de lutte contre le Covid-19 pour garantir la protection des marchands et des habitants.